this morning, as I have the privilege to be here, I have a crew with me. I'm not going to take time to introduce everyone, but I just want to acknowledge a few people because they traveled with me, and that's very important to me. Along with me, I have my mother, I have my dear and precious son, I have my friend, cardiologist Dr. Roger St. Louis, and his grandson. I saw Pastor Mr. Paganoli, who is a renowned pastor and a licensed mental health. He is with us today, so this afternoon he's going to minister to us as well. Yeah. So I have a few friends who promised to be here, but I don't see them. But I am so glad to see my old friend Joel, whom I haven't seen in over 30 years. He has honored me with his presence today. I am very, very happy about that. So, as we are here, I'm here just to give you the word that God has given me to transmit to you. I don't know if you understand what I'm saying. Mwen la pou kapab ban nou kon mesaj spesyal ke bon Dieu ban ban nou. Amen. It's not from me, but it's from God. Amen. So if you have anything to do, don't blame me, just go to God. Okay. So just so you know, it's 12:45. That means it's time, well, but anyway, since the day is not yours, the day is the Lord's. So, thank you. Yes, so I just don't want to miss anyone. So I'm sending a kudos to Dr. Achille Antoine, who is watching live. I also want to thank my cousin Kochlin, who is watching from in Chile. And I have a few friends in New York who are watching. My few friends in Boston. I don't want to miss them. And who else? I don't want to miss anyone. Miss Josie, who also is watching live. Anyway, above all, I thank Abba, my father, who has given me the privilege to be here today. So we are going to spread the word. So just so you know, before I even speak, I just want to say that I won't be able to translate for everyone. From time to time, I will just say a few words in English as they ask me to speak Creole. Just so everyone understands, from time to time, I will say something in English. However, I will have the slides, they are in English. So for those of you, as I'm speaking, just follow along so you can see what I'm saying exactly in English. Is that fair? Yeah, amen. Good? All right. So, since I have time constraint, so I'm going to speak really fast, but I hope you get the message. If I give you the message like halfway, I will not be doing a good job. So bear with me, because I have to deliver to you the message. Amen. Pastor, I thank you so very much for letting me share your pulpit today. And I thank you for the warm welcome. I thank Miss Patricia. She has been a phenomenal woman, so we have kept the conversation flowing so that to ensure that you guys have a wonderful day today. Amen. All right, who else I miss? No. Well, I think everyone. I think everyone. And now we are going to go straight to the word. All right, so let's bow our head for prayer. Abba, I just want to bless your name. That is so potent in our life. As you have given me your way, may your people understand that today it is not a digital delivery. It is not a U.S. postal delivery. It is not Uber delivery, but it is a heavenly delivery that you have sent for them so that their brain can be rewired so that they can be of better service to you and to the community. Bless your name. Be glorified in the precious name of Jesus, I pray. Amen. All right, so I have my helpful son who's going to help me. So,
All right. The title today is the impact of social media on our mental health. Ok? C'est qui impact réseaux sociaux gagnent sur santé mentale. Ok. Dès qu'on parle de réseaux sociaux, si les gens qui sont plus jeunes, ils sont plus vite qu'on est de qui ça n'a parlé. Mais pour les gens qui sont adultes, ils n'ont pas tout à fait compris de tout ça que nous voulons parler. So, qui t'aime dire que réseaux sociaux qui s'arrivent, comme si ce patouche avait déjà fait pour nous déjà, même juste aller un petit peu en ampleur. Ok. Réseaux sociaux, c'est un groupe d'applications, de l'ensemble des applications que des groupes de personnes mettent ensemble pour que ils soient capables de partager des informations, messages, fichiers, vidéos, etc. So, lorsque vous faites comme ça, non seulement information partagée, mais monde capable de voir l'information ça partout dans le monde, quel que soit côté lié sur la planète. So, application ça, yo permet également que nous capable divertir nous, pas vrai? Nous jouer games dans application ça. Et ensuite, nous gagner information, nous capable prendre news dans YouTube. Nous gagner également que nous capable suivre personnalité de trois monde que nous aimons dans Instagram, you know, TikTok, etc. Et pour ça, nous pouvons émettre opinion via Twitter, blog, etc. So, qui a essayé qui parle de WhatsApp? Donc, on est longtemps, c'était Colette Paul, et puis, ou bien, parce qu'il a fait nous payer bill, ou bien acheter 4 pour nous payer, pour nous parler de téléphone. Mais qu'on a, nous venons WhatsApp. Et si Haïtien parle, pas de monde qui a dit ou pas qu'on est. Parce que Haïtien parle fort. Yo parle créole, yo parle fort, son bel bagage, yo parle créole, mais yo parle fort, yo fait tripotaille, ou dit déjà, voyez le bon moi, passez le bon moi. Donc, nous connaissons comment Haïtien remet WhatsApp. Qui dit monde tout qui parle de TikTok, parce que je veux des vidéos tout coûte, yo get up and join. Qui dit les jeux qui parle Facebook, Instagram, puis à partager l'information? Qui politicien nous connaît parle de Twitter? Nous connaissons l'ex-président Trump, tout le monde fait tweet, président Noël, tweet, pas vrai à longueur de journée. Mais également, qui professionnel, nous, qui parlons de YouTube, parce que c'est là où on partage l'information par vous, ou bien sur Skype, ou bien Zoom, etc. Le monde est à la recherche de richesse, de domination et de pouvoir. Parce que le monde, il dit que le monde qui a l'argent, c'est lui qui domine, c'est lui-même qui a le pouvoir, c'est lui qui a commandé. Et peu importe les moyens, il y a cherché pour être capable d'approprier de richesse. Si nous faisons un recul dans le temps, okay, nous parlons de comment le monde évolue. Nous parlons de Broadway, nous parlons de 1989. Nous parlons que nous passons du monde de l'industrie à l'ère de l'information. Ça me dit pas là. C'est que longtemps, tout compte passé, des factories, tout qu'on a divine, bon là, des factories, des travail, etc. So, nous sortons dans le monde, ça nous vit dans l'ère de l'information. Et qu'on y a là, ça a offert, so, depuis 1990 so, jusqu'à 2008, nous remarquons que ils ont transféré, ils ont ship overseas toute factories que nous avons par vos ici. So, toute bagaille is made from China. You're looking for a chair, it's made from China. You're looking for a shirt, it's made from China. A spoon from China. J'ai l'impression, bientôt, même chanter, n'a chanté, on a prévu que c'est China. So, de 2002, vient une expansion, alors plus, on commence depuis 1986, vient un éclatement de l'Internet. So, nous passons de dialogue, nous sommes gentils à l'aise là. Welcome, you've got mail. C'était EOL. Nous sommes gentils à l'aise là. So, nous venons rentrer dans, jusqu'à ce que nous venons en 2002. 2002, c'est l'expansion non seulement Internet, mais également nous voyons que le monde atteint vers l'intelligence artificielle. Après, nous voyons que c'est robot, il y a pour aider nous toute journée, nous avons toutes nos conversations, robot parle avec nous jusqu'à ce que le service soit fini. But anyway. So, maintenant, so, nous voyons que Google, Facebook, Twitter, yo produit information parce que c'est dans l'ère de l'information que nous vivons là. Yo dit souvent que moun ki gen accès à information, c'est lui-même qui trouve la richesse. Mais
C'est comme ça que l'élite mondiale liée aux Illuminati orchestrée simulacre sombre pour t'a fait nous comprendre que mais qui ça qui la vie moderne sous pas internet sous pas compte bagage ça ou pas à la mode. Maintenant utilité réseaux sociaux yo vient très apparente surtout dans l'époque pandémie. Nous avons remarqué que lorsque nous sommes en quarantaine et grâce à Facebook Live, nous voyons comment que le monde entier vient à la connaissance de un policier qui met des pieds sous cou contre un jeune noir, après, c'est George Floyd, nous songez ça. Et puis, tu as gagné tout plus surtout pendant la quarantaine, si grand monde qui est dans le nursing home, qui est dans l'assisted living, qui j'ai eu fait pour être capable de famille si pas de gagner FaceTime ou bien Zoom. Okay? So, et proche de nous, parce que nous avons remarqué que, bon, époque, les gens ne pas sortir à visiter les gens dans l'hôpital, et puis on prend COVID, ou on est dans l'hôpital, là, donc, on n'a pas de privilège pour être famille. So, therefore, nous voulons que, puisque nous avons une expansion de toute application, donc, les gens, la famille, les gens, je vais moins de café de lieu parce que imaginez, mon nom mourit, il n'y a pas de support en vacances mourir et mon nom qui a suivi là, il n'y a pas de privilège comme si vous avez dit mon nom à Dieu. Ça va permettre que tu as fait de lieu très bien, n'est-ce pas? Mais également, mon église de l'eau, qui compte que le taillé, si ce n'est pas du jeune, nous sommes tombés pour que tu as fait service live pour nous, pour que tu as fait nouvelle service, nous avons monté charme spirituel, n'est-ce pas? Donc, so, nous avons fait Zoom. Live stream sur YouTube. Okay? Et qu'en est-il de Timoun? Comment l'éducation est faite si vous n'avez pas gagné Google en classe, ou Quizlet, ni ou pas, etc. Ok? Malade nous tout, ou plutôt bloc mon que ni à la maison, tout le monde qui est crise mentale. Comment vous avez fait si vous n'avez pas gagné télémédecine? Ok? Donc, comment ça me dit? Hein? Mais pour le monde qui a faible estime de soi, ok? Ou bien le monde qui a crise d'identité, réseaux sociaux, t'es venu tourner pour le monde, ça est une source de valorisation. Parce que divine booster ego yo, parce que chaque jour met un message et puis on veut des likes, you know, ou bien commentaires positifs, you know, ou bien numbers of views, ça fait au content. À ce moment ça passe, hormone qui joue dans régulation humeur et émotion, divine augmenté. So, nous préparer de dopamine en particulier avec sérotonine. Lorsque neurotransmetteur yo alors, on n'a pas eu dopamine avec sérotonine. Il y a même qui voit un message dans les cellules cérébrales. Eh bien, il y a fait que le monde éprouve un sentiment de plaisir et de récompense. Donc, so, au monde, ça a encouragé le comportement humain qui, de manière excitable et euphorique, c'est-à-dire extrêmement content. Dans le cas contraire, le monde qui gagne, soit il n'y a pas de life, ou bien il n'y a pas de monde qui share l'information que vous mettez. Ça va être une petite tendance plus capée, ça crée les cortisol, sont l'autre hormone qui est responsable du stress. So, lorsque nous connaissons le stress envahi au monde, ou déjà, ouais, vous pouvez le faire, toute qualité malade, après. So, mais pas bien seulement côté positif dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est un indice pour que nous sommes capables de comporter nous de manière dangereuse pour notre bien-être mental. Le regretté CEO d'Apple, Steve Jobs, ok, li mouri konya la, li écrit un article. Dans l'article, on dit qu'on s'appelle, sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'être programmé. Ça veut dire sans qu'on pas même rendre compte, yo programmé mind. Vous comprenez ça, mes dix? Ok. So, konya la, James Williams, on whistleblower, c'est-à-dire que, li vin pas travailler pour Google encore, so konya ça le dit. Li dévoile vérité ça. Li dit que dans un laboratoire secret de technologie, nous faisons publicité pour que nous capables persuader monde de manière insidieuse, OK? Pour accepter ça que nous voulons. Mais qui ça publicité en dit? Nous avons créé des formes de contrôle d'attention les plus importantes, les plus centralisés et les plus standardisés de l'histoire. Let me say this to you. We have created the most important, the most centralized, and the most standardized forms of control
in history. Nous comprenons ça? Ce n'est pas moi qui dis non. There we go. So, nous notons également que avec le pandémie, hein, vingt-et-un accroissement de déconnexion humaine. Nous à vivre dans l'isolement. Même lorsque nous avons des gens autour de nous-mêmes, c'est comme vous, c'est pas un yézaï. Parce que chaque monde qui est bagaille dans le monde, nous ne pas parler avec nous-mêmes, si nous ne pouvons pas être digital ensemble, ça ne va pas même déranger. Selon Sean Parker, il dit qu'avec le digital, nous détruisons le tissu de la société. Let me say this to you. With digital, we are destroying the fabric of society. Nous comprenons ça, ça veut dire la déchirer le fabric de société. Ça que fait nous-mêmes en tant que société. Alors que le bon Dieu pour nous, c'est pour nous vivre en communauté, vivre en relation l'une avec l'autre. Si nous comprenons ça, ça passe là. Je résume pour nous parce que social media, c'est un bagage qui est extrêmement large. Il y a un bagage que nous avons parlé sur les longs petits moments. Je vais juste donner 6 points là-dedans pour que nous puissions nous comprendre. Premièrement, les médias ont déconcerté nous et ont divisé nous. Try to see if you can enlarge it, if it's possible. Okay? So, media is disconcerting us and dividing us. Qui ça veut dire par là? Lorsque vous avez un moment intime, pareil, mari, madame, ménage, sorti, vous parlez avec une chérie, vous parlez avec le voisin de nous. Maintenant, oui. Et puis, les nouvelles bouches, ils peuvent répondre. Vous pensez ça pour la parole? Réponse de baron, il dit, oh, où est-ce que vous dites là? Non? Ça ne dit pas tout bon, mais nous comprenons. Amen. So, nous avons une pissoude à téléphone que interlocuteur. Les gens chita autour de table, nous avons une famille chita, maman, papa, tout le monde chita là. On ne parle pas de nous, non? Littéralement, nous avons un téléphone, il dit text me. Il va dire que vous répondez, il dit text me. So, on ça fait ça, il dit juste bloquer ou même pas à boire qui langage corporel que le gagne. Et on va dire que vous avez une voix, perdu ça parce que vous n'avez pas parlé avec vous-même. Longtemps comme si on a pu dire, il n'est pas là comme si la paix pour nous n'a pas chuté, on est à ces textes. Ok. So, et des fois, nous oublions, il y a mon tout qui oublie que c'est dans la prière. Depuis le téléphone, on fait bip. Il faut que vous regardiez. Et puis, on dit non, mais c'est pour nous prier. On dit non, on connaît bien mon d'ailleurs. Quand on décale, c'est eux-mêmes qui peuvent faire un bagage pour nous. On oublie que c'est mon nom qui a prié avec qui qui a fait un bagage pour nous. Deuxième point. Médias, c'est une grande menace pour ces bonnes. Les très effrayants pour constater que les réseaux sociaux ont réussi à programmer notre cerveau à penser et à réfléchir moins. Ok? So, au lieu que nous pensions, hey Google, hey Alexa, hey Siri, vous cachez tel bagage pour moi. Ok? So, nous pas concentrés. So, tout ça qui peut faire que le cerveau nous stimule, n'oubliez ça. So, au lieu que nous acquérions connaissance pour lecture et expérience de la vie pratique, nous demandons des amis de Google et puis dans 11 secondes, nous venons des formations que nous avons cherchées. Vous savez, tout le monde est sur Google pour ça. Vous n'avez pas cherché rien encore, vous n'avez pas apprendre rien encore. Pas vrai? Est-ce que nous pouvons comprendre le schéma de penser ça que les réseaux sociaux ont fait pour nous? La vérité, c'est que tout le monde est sur Google. Puis que nous méprisons l'intelligence qui a brillé dans nous, que bon Dieu, bon monde, au moteur de recherche. Ou search engine, everything search engine. Ok. L'esprit médiatique provoque une réduction de l'expansion de cellules cérébrales. On va l'expliquer nous un petit peu mieux. Ok. Parce que nous trouvons tout le bagage trop facilement. Nous ne pouvons pas faire un effort mental. Ok. So, à cause de ça, nous, you know, so, lorsqu'on ne fait pas un effort mental, il y aurait l'eau, c'est qu'on. Végétal. Nous avons des gens qui sont l'hôpital, pas vrai. Ils ont dit que végétal, c'est parce que c'est votre pensée. Un, il va marcher pour lui. Donc, nous sommes végétal, pas vrai. Donc, nous venons de des végétales ambulants. Nous comprenons? Et nous. Donc, partie qui devant fond nous, si nous regardons sur l'écran, la partie préfrontale, notre cortex préfrontal, lui permet que, lorsque nous faisons l'effort, pas vrai, parce que c'est lui-même qui est responsable pour nous. Spiritualité.
Parce que c'est là qu'on peut prendre des décisions, c'est là qu'on peut connecter avec mon Dieu. C'est là qu'on a une moralité, on peut dire ça qui vient, mais ça qui mal. C'est là qu'il y a également volonté, nous, raisonnement, conscience, nous, next slide. Conscience, nous, jugement, attention, émotion, maîtrise de soi, discernement. So, si nous ne travaillons nous ne pas utiliser, en frontal lobe nous, la diminuer. Et lorsque diminuer, si nous regardons dans l'autre petite partie, ça qui tout petit, là, nous avons le limbic système, non? Lui-même, il prend le dessus. Pour expliquer, nous avons pour nous comprendre ça, ça va nous dire. Et lorsque lui prend le dessus, la donnée, dans le limbic système, dans ça qui gagne, c'est que l'incité, c'est un hormone qui plus trigger pour gagner la peur, pour gagner la colère, pour gagner l'anxiété, nous comprenons? Colère, stress, jalousie, etc. Donc, si préfrontalement pas travail, automatiquement les big systèmes dans le dessus. Vous comprenez? Ok. So, d'après exécutif média, ils ont dit que les réseaux sociaux ont désigné spécifiquement pour induire l'impulsion du système limbique pour qu'on fait nous faire colère tout le temps, ou bien pour qu'on triste tout le temps, ou bien pour nous donner la peur. C'est ça qui fait pour réaliser que vous avez du mal de décoller pour mon cap de Xbox si toute journée là, ou relé li pa tande. Si mon nan li même tout qui a joué dans bagay sa ou là, ou après li pa tande pour qui ça? Parce que, you know, impulsion et même système nan fait que sou relé li prêt pour faire coller parce que ou bien la roule à terre, vingé des comportements qui pas bien, vous comprenez? But anyway. So, pour plus d'informations, m'inviter pour regarder un petit movie qui est les Glow Kids. Ok? Et nous avons regardé également tout de Media Mind, Trailer 1 et Trailer 2. De Media Mind. So, si monde ça qui pas développé capacité cognitive, ni perception spatiale pour calculer total au moins 2 multiplié par 2, si vous dites ça, oh, I don't know, et puis pour calculer avec, et puis, est-ce qu'il va là-bas? Nous comprenons? So, et avec bagaille, ça me pose que bientôt, même compter jusqu'à 10 semaines. Si nous comptons, tu m'as fait là. By the show of him. Qui moun ki ka di 5 numéros de contact li pa kè? Moi louté que m'a dit ça parce que nous pas fait ces bon travail encore, nous pas retenu en lien encore sur égal. M'a pas n'a prendre même 5 même. So anyway, nous passer sur ça pour pas faire dégâts. Troisièmement, nous sous-traitons notre capacité de penser au moteur de recherche. OK? So we are outsourcing our brain for search engine. So, m'a expliqué capacité que nous gain pour qu'à penser de manière critique, la critical thinking, pour nous créer image qui en dedans cerveau nous, imagination nous commercialiser. Alors que nous n'en pique de que bon Dieu nous, c'est l'imagination. Si mon pitié depuis là, elle a imaginé. Nous cap comprendre ça parce que pilote yo pour ingénieur au fait bon. C'est parce que vous imaginez vos bagages, pas vrai? Et puis vous créez, vous dessinez, etc. Et puis pour une bonne réalisation, donc égal, au lieu que nous utilisons l'imagination, nous captons ce qui est inné, nous-mêmes qui fait de nous des humains, nous délocaliser pour qui ça? Pour search engine. So, nous n'avons pas besoin, nous venons tourner des êtres amoureux, nous pas besoin de lire encore, nous pas réfléchir encore, pour qui ça? Parce que nous gagnons search engine. Search engine, c'est ce qui a fait pour nous placer. Quatrièmement, nous négligeons l'expression sentiment nous ou des emojis. So, au lieu que nous disons mais comment nous sentons nous qu'on est là, nous mettons ça. Ça veut dire, nous comprenons? Nous voyons le texte, nous comprenons ça m'a dit là. Il va paraître clair sur le tableau, on continue de lire, mais nous comprenons. C'est emoji au lieu que c'est nous-mêmes qui exprimons sentiment nous. Nous appauvris en vocabulaire nous pour des abréviations. We impoverish our vocabulary for abbreviations. So, next slide. So, nous c'est OMW. I'm on my way. I'm like, what? Qu'est-ce que ça veut dire? I'm on my way. OMG. Oh my gosh. IMO, in my opinion. IDK, I don't know. Well, tout ça c'est au détriment de notre working memory. Nous risquons de faire ça pour nous détruire. Subtilité dans le neurone. Nous connaissons comme si le neurone, non, ouais, il paraît petit là, mais ce que nous c'est. Les on eux on a parlé à ta boue message dans l'autre et puis de l'autre côté boum il fait du feu puis boue message et puis là il dit quoi qui ça peut faire s'il soif s'il besoin de boire de l'eau s'il besoin de coucher etc. Donc égal nous venons les nous pas utiliser nous venons détruire nous allons travailler pour faire nous mourir nous comprenons. So on est là au détriment de
de abréviation. So on est là, l'autant de gens qui parlent et tout des voix au monde, on dit ah, le gars ça c'est tel monde qui a parlé. Beaucoup d'entre nous a parlé très souvent. Donc on voit pas qui monde qui a parlé, qui parle, qui monde qui a parlé. So avec l'accoucissement ça, nous courons le risque de ne plus pouvoir nous exprimer verbalement à mesure que nous approchons dans le temps. So perdre son vocabulaire équivaut à une perte. À une perte potentielle de communication, ça qui va entraîner une augmentation de dementia et Alzheimer. Donc, pas parler, ou pas travailler, ou pas utiliser vocabulaire, ou, il va entraîner dementia et Alzheimer. Ok, so, ça nous fait, mais nous fait ça, nous maîtriser le don de la parole que bon Dieu baille aux humains seulement pour le silence ou l'abréviation. Vous comprenez? Est-ce que nous suivons avec moi? J'espère que nous pardonnons. Parce que nous suivons. Selon une étude des effets comportementaux des médias, nous trouvons que les gens qui ont utilisé les réseaux sociaux, ils sont des consommateurs. Si ce n'est pas tout chassé, nous disons ça, nous venons tourner des choses. Ou on ne va pas poser de tête. Nous venons tourner des choses. Pour qui ça? Parce que nous avons alimenté continuellement l'esprit d'idées, de pensées, d'émotions et de contenu que nous trouvons dans. Slide up, slide down. Ok. So, un sondage de l'usage des médias indique que nous touchons téléphone, nous iPad, tout gadget ça, nous touchons on average 2,617 times per day. 2,617 times per day. Nous touchons téléphone, nous computer, nous baise ça, 2,617 fois par jour. Nous comprenons? Depuis nous faisons ça, nous ne devons pas. Oh, bon, regardez qui est là. Bon, regardez si on va écrire. Bon, regardez si on va nous message. Tant que nous avons touché, nous avons gardé. On a vu. Et nous téléchargez 1,8 milliard de photos sur Facebook. Toute journée. Selfie là. On dit maintenant, tout ça nous fait selfie. C'est très alarmant. Pas vrai? Numéro 5. À part de quel pays vous avez une bonne, nous, il y a notre recherche qui dit pour ça. L'utilisation excessive des médias entraîne un impact sur la santé mentale. L'augmenter la solitude, c'est ça que nous avons remarqué que nos époques, où est tout le monde a marché dans la rue. Do you want a hug? Do you want a hug? Nous sommes juste à la rue. Tellement nous sommes lonely, sur l'égalité du monde qui est étranger, qui ne va pas nous demander de nous voir. Ok. Et puis, l'occasionner stress. Et lui provoquer anxiété due, pas anxiété pour notre bagage, anxiété due à la perte du smartphone. On monde qui perd du smartphone. Et tu te dis comme ça que c'est quand c'est la perte de notre cher. C'est quand son monde le perdu. Parce que nous sommes amoureux avec le téléphone. Bon, dis-nous ça, et tu te dis. Dis comme ça que même hormone qui dégage lorsque on monde, mon fille et mon garçon, etc., oxytocine, c'est lui-même qui dégage lorsqu'on nous perd du téléphone. We are in love with our phones. Nous n'avons pas du téléphone. Où est mon phone? Qui nous call me? Où est mon phone? Il va venir des billets de téléphone. Où est la paix? For the phone. Nous comprenons? Anyway. En plus de ça, il va y dépression et il va y avoir une dépendance d'écran. On va nous coller dans le téléphone. Il y a joué game toute journée ou il y a un porno. Il y a une addiction. Écran électronique, yo wayo quand vous sont stimulants similaires à la caféine, amphétamine ou à la drogue. Est-ce que nous donnez samedi? Nous donnez samedi? Écran digital, yo, c'est quand vous c'est caféine, quand vous a amphétamine, quand vous drogue yo. Pour qui ça? Psychologue dit qu'on s'appelle, alors yo et yo cocaïne électronique. Ou bien héroïne digitale. Nous comprenons ça? Son utilisation excessive d'écran électronique, lui mettait quoi nous dans le même état de forte excitation, même quand nous dégagons, c'est hyper, ou non, hyper concentration, suivi de l'effondrement. On va dire, ça passe. Est-ce que nous songez que, pour montrer, alors, ma bonne exemple, est-ce que nous songez, alors, pour mon, nous baler dans la télévision, m'assurer que c'est pas seulement New York, on va dire plus de ça, t'es gay, on madame? C'est qu'il y a une madame qui a marché, elle est tellement concentrée sur le téléphone, qu'il y a un mail relevé.
l'a tapé, il saute tomber dans mes goulas. Nous comprenons? Par contre, si nous avons une nouvelle, alors nous avons un exemple seulement, mais plein d'autres exemples. Il y a un ticket malgré que le monde est coupé, cassé, cool. Yes, parce que vous ne pouvez pas marcher, nous venons tourner des zombies, qui marchent comme ça, next, qui marchent comme ça, tête en bas. Ces zombies, vous connaissez qui marchent tête en bas. Ce sont égales, toute journée, qui marchent comme ça, pour qui ça, vous êtes concentrés tellement sur le téléphone. En Australie, qui veut dire, en Australie, ouais, alors malheureusement, l'écran va bien ajuster avec ça là. Mon yo témoin a marché, il a frappé dans polio, pôle électronique, parce que je ne peux pas garder ça à faire. Ça veut dire que yo obligé de mettre des paris de pôle, de mettre des cochons dans polio, parce que mon témoin a pris des cochons dans le cerveau, témoin a frappé, parce que je ne peux pas garder côté de vous. Vous comprenez? So, c'est ça que fait que yo dit qu'on s'appelle surstimulation du système nerveux, ça, il est capable de provoquer une variété de troubles chimiques, physiques, next. En physique, nous contactons les kyphosis, psychos, so nous comme si nous tellement baissé la tête, nous, comme ça, mais ça nous développe. Kyphosis, psychos, ok? Et puis, sommeil, mon nom, next, vient déranger. Ça passe. Téléphone, nous voyons une lumière qui exactement même, j'ai l'impression que c'est l'âge de ça, même si vous la souhait, vous pensez que c'est l'âge de nous, vous gardez le téléphone. Et puis, entre temps, ça vient passer. Ou bien comme si sommeil dans les vignes dérangées. Par contre, qui est la journée, qui est qui a ce sommeil dans les nous déranger. On n'a pas de dormir, non? Nous avons un tigre, nous avons un c'est la docteur Mbaka. Well, téléphone. Alright. So, nous dit que c'est stimulant que nous. So, de nos jours, toute étude prouve que iPads, smartphones, Xbox, c'est des formes de drogue digitale. Parce que, cortex frontal là, il vient recevoir message ça, même j'en prends pour cocaïne. Parce que lorsque vous faites test pour les gens qui sont stimulants ça, la réponse que vous avez est similaire à les gens qui utilisent le téléphone dans le camp pour en cocaïne. Sixièmement, les réseaux sociaux ont créé un faux mode de perfection. Et nous-mêmes, nous tombons dans le piège là. Nous essayons de mener vie, nous, même j'en prends pour ça, nous sommes dans. It's like we're chasing the thrill, ok? So, nous avons remarqué que dans les réseaux sociaux, lorsque nous avons dit que nous avons un bon monde qui est parfait, et nous ne connaissons pas un monde qui est parfait dans ce monde, nous avons toujours en vacances, nous avons fait photo en vacances, nous avons un restaurant, nous avons détendu, nous avons une belle fleur de travail, quand nous avons un bon la vie, rosy. Et pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Psychologiquement, post ça, nous avons créé la jalousie. Ok, la jalousie et un esprit de compétition. Le fait que monde qui gagne un mieux capable de à la perception de certaines personnes également, et puis monde qui retrouve qui gagne un rejet comme si nous pas mettre des likes pour nos publications, nos posts, et bien monde ça ou bien si on met des commentaires qui négatifs, nous pas aimer ça, ou bien avoir le commet suicide, ou bien le fait homicide. Nous allons comprendre comment qui ça fait que nous enregistrer un paquet shooting in the schools, you get the picture, right? So, ou bien nous venons, si nous n'avons pas grand monde, prenons des plis, ou bien dans l'école, le bon problème, nous avons dit le mauvais bail dans le commentaire, là, nous rentrons dans l'école, là, le tuer. Ok. So, qui ça nous veut retenir dans ça, dans ça, ce qui est là? Pas grand qui est drôle pour nous partager avec le monde, belle aventure. Mais, si nous regardons sur le tableau, hein, si nous avons suivi ça, les réseaux sociaux, après, comment dit-nous? C'est détruire la vie de nous, n'a pas de non. Rest in peace, nous comprenons ça bien. So, danger, c'est que nous ne pas supposé comparer nous avec l'activité, l'autre monde a bien souligné. D'après Mark J. Ryan, c'est un psychologue, un hypnotiste lié, un hypnotiseur, ok? So, média en vésicule. Le média est un système infâme, établi spécifiquement pour hypnotiser et programmer le subconscient. Let me say that in English. It is a nefarious system designed specifically to hypnotize people and to program their subconscious. Okay? So, évitez-nous pour ne pas comparer nous à l'autre monde, pour non seulement nous ne pas connaître vidéo hors de ligne, mais très de vidéo par très de vie par nous.
Donc, le plus judicieux serait d'embrasser qui nous sommes et de continuer notre cheminement individuel. Donc, m'inviter pour regarder une movie qui est Inception, si on n'a pas compris plus de ça. C'est vrai que les réseaux sociaux sont très utiles, mais à bien des égards, ils sont l'une des forces les plus insidieuses et destructrices de Satan pour étouffer le potentiel du peuple de Dieu. Les médias suent notre capital social en tant que société, un par un. Is that Marie at the back? I don't know. Okay. All right. So, moi-même, personnellement, moi crois dans la restauration de la santé mentale. C'est peut-être ça, je vous dis, hein? On va expliquer nous, quoi que brièvement, qui ça, comment que nous sommes capables de proactifs bibliquement pour que nous ne pas subir conséquences programmation du mal. Nous allons comprendre avec moi que nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang. Pas vrai? On va parler de Bill Gates, on va parler de Mark Zuckerberg. Ce n'est pas avec une lutter. Mais nous allons lutter avec l'esprit malin qui derrière nous. Pas vrai? Son programmation malin, c'est pour qu'on vole sa bonne du bon nous, égorger nous et détruire nous. Donc, au lieu que nous utilisions le téléphone 2617 fois par jour, m'a invité nous pour nous passer seulement deux moments de prière. L'un avant le coucher du soleil et l'autre avant le lever du soleil. Twilight. Sunrise, before sunset. Ok. Mais nous faisons comme ça, nous allons désamer la programmation de l'ennemi. Zamim Frenaxon. Now I'm going to download the message that God has for you today. And I'm going to tell you why. M'a persisté, même si nous sommes à bon message, hein, parce que nous, chrétiens, nous avons tout le temps nous besoin d'être dans la prière pour ceci, d'être dans la prière pour cela. On n'y est pas passé. Ça passe. Mon Dieu dit, nous prier. Ça passe. Et bien, donné. Job, tu es qu'on prie. Mais il n'y a pas de stratégie spirituelle. On va foutre à aller dans la guerre sans que ou pas de préparation, ou pas qu'on tire l'ennemi pour qu'on lui dise avec lui. Mais ce que je comprends. So, dans Job 38, verset 33, que je t'ai dit pour nous tout à l'heure, bon Dieu m'a dit, Job, connais-tu les lois du ciel? Est-ce qu'on connaît les lois ciel là? Est-ce qu'on règle les pouvoirs sous la terre? Do you know the laws of heavens or establish the rule over the earth? Si Job n'a pas de pouvoir ça, nous pensons que mon Dieu n'a pas de poser une question ça, ironiquement. Bon Dieu pose une question ça, c'est parce que, après tout, dans Genèse 1er, verset 26 à 28, et dans Somme 8, verset 4 à 6, bon Dieu dit clairement que l'Iba l'homme la domination sur toutes les œuvres de ses mains, sur tous les animaux. Ok? Et ceci, c'est dans le but de restaurer l'image libre. Non, nous-mêmes. De plus, les dit dans Somme 82, verset 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Pour quelle raison? Parce que nous pouvons vivre dans la peur. Nous, depuis on dit étoile, depuis on dit la lune soleil, d'après Genèse 1, verset 14, ok? Bon, depuis on dit ça, nous devons être en New York à l'écran parce que nous pouvons nous scientifiques que nous sommes des astrologues, des magiciens, magicien nous sommes. Nous même, nous connaissons la loi du ciel, nous utilisons, mais nous même nous ne pouvons pas profiter de lui. Ok? So, mon salut même dit que, alors par contre, si nous comptons de ça, il dit que nous avons râlé étoile au monde, dans l'assiette, nous avons fait ça oublier avec. Ok? So, les Joseph, tu es dans le songe étoile, la lune, soleil, pour représenter maman, papa, le frère. Jacob dit comment ça veut dire. Joseph dit comment ça veut dire. Et frère, tout dit comment ça veut dire. C'est ça que vous jouez à tout prix, d'après Genèse 37, verset 9. Vous n'avez pas quitté ça, parce que vous n'avez pas de Joseph dominé sous vous. Et Daniel 9, verset 21 dit que, Daniel dit, pendant que tu as prié, l'ange de délivrance t'a dit comme ça que Daniel, depuis son premier jour à parler, il était en déprié, oui, mais cependant, il était retenu par
le roi de Perse. Qui côté était retenu? Au troisième ciel, côté que bon Dieu y est, ou bien au premier ciel, côté que nous avons là. Il était retenu au deuxième ciel. Ok? Ceci dit que si nous-mêmes, nous pas combat et de minuit dans le deuxième ciel là, c'est que vous êtes travaillé en veille de notre fait. Ok? De toute façon, Josué lui-même l'utilise, il dit soleil, arrête-toi, et puis il bat le peuple là, jusqu'à ce que le film bat le peuple là, c'est le sa soleil là, c'est nous connaissons histoire, ça pas vrai. So, nous-mêmes qui a plein, peut-être réseaux sociaux, mais ça réseaux sociaux a fait, mais si nous ne pas attendre, nous pas bien attendre, les pas la marie, nous pas attendre, les pas computer seulement. Est-ce qu'on connaît le bon Dieu qui est une grande puissance sous la terre que nous supposons utiliser? Et grande puissance, c'est là pour faire que nous sommes capables de mener le combat spirituel. Là, avec, pour nous capables de lutter dans le combat cosmique qui gagne. Grande puissance, c'est régit le monde. Mais ce n'est pas seulement les chrétiens qui ont bénéficié de la puissance. Même si nous avons un pied pour inventer, ni le monde qui est bon, ni le monde qui n'est pas bon, ils sont capables de jouir de bien faire pied bois. Ok? Mais démons, mystiques, magiciens, ils ont utilisé même le pouvoir que bon Dieu quittait pour nous soutenir dans le but d'avilir, de dominer et puis ont assujetti petit bon Dieu. Est-ce que nous ne songer comment, pour mon qui a plus âgé, comment que longtemps, ils ont continué de lever bonheur pour que nous étudions, pas vrai, parce que le soir, dans le monde. Ou plutôt, pas qu'on est, si nous disons qu'on est deux, pour nous être commerçants, ils ont fait grand matin, 3h du matin, et puis, pour y aller faire commerce. Ou bien les gens qui parlent dans le jardin, ils vont aller grand matin. Moi-même, je suis dans l'école de Stock Exchange. Ok? Je te dis comme ça que pour mener les bourses bien, pour faire l'argent dans le Stock Exchange, c'est pour lever depuis 3h du matin pour être en plein studio. So that by the time the stock market is open, tout a fait déjà préparé déjà. Because everything is already here. You have already planned it at 3 a.m. De même, sorciers, les gens qui sont méchants, ils ont fait incantation à partir de 3h du matin. Et puis tout, ça a commencé dans 3h du matin, hein? La journée, c'est lui-même qui vient lever. Ok. Est-ce que ça va nous dire, moi, pour qui ça va nous lever à 3h du matin comme ça? Ok. So, qui te dit, monde physique, non? Ça n'a pas gardé la chaise, table, mon accident, mon malade, mon fou, quel que soit ça, nous, ça n'a pas gardé dans le réel, non? Les dominer par le monde invisible, okay? Dans le monde surnaturel. So, si nous ne pas manipuler le monde spirituel, c'est quand nous avons travaillé en vain. Ok, ça nous est pour nous faire, en tant que chrétien, c'est pour nous déprogrammer ce que l'ennemi fait contre nous. C'est vrai, nous avons appris à n'importe quelle heure, okay? Mais cependant, l'heure qui est plus efficace là, alors, nous avons dit que toute l'heure a des mêmes implications spirituelles, pas vrai? Donc, l'heure qui est efficace, c'est lorsque nous prions à l'aurore, entre 3h et 6h. Ok. So, sous besoin de triompher, sous besoin de régler le pouvoir sous la terre, sous besoin de contrôler plusieurs, sous qu'on est loin du Sénat pour régler le pouvoir sous la terre, sous les triompher, sous les opérer pour vaincre les forces du mal, eh bien, c'est pour opérer, c'est pour l'appuyer dans le qui plus efficace. Qui veut le sait, comme je dis déjà, c'est mon secret sait, secret à trouver entre 3h et 6h. À l'aurore, entre le ciel et la terre, il y a une synchronisation qui fait. C'est là que le divin rencontrait avec l'humanité de la dimension spirituelle. C'est également là, dans le surnaturel, que vous avez obtenu n'importe quelle faveur, souvenez n'importe quelle faveur, vous avez demandé bon Dieu depuis 10, 15, 20 ans, et bien c'est le sac que vous avez obtenu. Ok. So, juste pour vous démontrer pour nous sommes capables de voir, Romain a été divisé dans le temps Jésus, il a été divisé en 4 veilles. Ok, veilles, 4 veilles. So, si il y a 12 heures dans la journée, il a divisé en 4 veilles, pas vrai? So, et il a commencé de 6 heures. C'est à 6h que vous commencez. So, puisque vous avez 3h de temps dans chaque veille, vous comptez 7h, 8h, 9h, ça fait deuxième veille. 10h, 11h, midi, ça fait deuxième veille. 1h, 2h, 3h, ça fait troisième veille. Et 3h, 4h. 4h, 5h, 6h, ça fait quatrième veille. Vous comprenez? Ça fait 4 veilles. So, dans 4 veilles, vous comptez également tout dans
juifs, traditionnellement, d'après Talmud, ils contrôlaient au point ordre cardinal. Si vous commencez dans même l'heure, vous commencez à 6h, mais au lieu que vous dites 6h, vous dites première heure, 6h, vous dites première heure, deuxième heure, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure. Sixième heure, mais neuf. Sixième heure. So, les nouvelles 12, ça veut dire sixième heure. Ça veut dire que c'est midi. Midi, pour nous-mêmes, c'est sixième heure. Sixième heure, ça, si nous comprenons bien, bon, bon, par contre, si nous connaissons ça en Haïti, au sein de parents, puis on fait mes chansons, mes bâtiments, mes matichons, quand midi arrive, le lever était en l'air, au soleil, ouais, mes bâtiments, mes matichons. Nous connaissons ça, nous connaissons ça, hein? Yes. Nous connaissons les chiens, tout. Chien colon midi, ouais chien tombe traîner derrière la terre. Ok, il y a bail madichon. So pour moi qui va prendre, mais tu vas prendre ça là parce que m'a dit ça là. So, si je ça, pas oublier que c'est le ça, Jésus, il mettait le sous quoi. Ok? So, ma parole est très vite pour nous, c'est juste pour dire que dans Luc 12, verset 38, il dit comme ça que qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs si le maître les trouve veillants. Or, nous connaissons que deuxième veille, comme ça dit nous tout à l'heure là, il correspond de 21h à 24h, c'est-à-dire que de 9h du soir à minuit. Ok? Et troisième veille, là, comme on dit que de minuit à 3h du matin. Laisse ça, dans le monde spirituel, ça, ça t'en fait. Il a programmé, il a planifié. On s'en fait, il parlait à soleil. Il dit soleil, voyez flèche sous chrétien, parce qu'il parle de vous. De tirer d'âme, mais de faire âme forger contre eux-mêmes pendant le jour. Et de parler à la lune dans tout. De dire pendant la nuit, placer des terres pour eux. Voyez la peste pour marcher dans les ténèbres, d'après son 121 et son 91. Par conséquent, lorsque, au moment du sommet, entre 21h et 3h du temps, mais ça, le diable l'a préparé pour nous. Pas vrai? Mais dans le monde réel, dans le monde réel, là, vous pensez ça qui passe? 21h, c'est-à-dire 9h du soir, tout le monde rentre dans la table, pas vrai? C'est le moment où tout le monde va suivre, est-ce que le devoir faire, est-ce que tout le bagage est fait. Et puis, nous rencontrons une autre, l'autre, etc. Et puis après, on nous dit, on a le dormi. Sur le droit de dormir, pour nous là, c'est le moment que, puisque nous disons sur les réseaux sociaux, nous préparons tout, pas vrai? C'est là que nous mettons pile le mouvio. De 10h à minuit, et puis l'autre, même quand elle finit, l'autre commence pile de minuit à 3h du matin. La préparer pour que mal nous occuper. Pour nous pas suivre, pour nous pas payer, même si Jésus dit, hein? Et puis pour nous régler ça, que lui-même l'idée pour nous régler. Nous comprenons? Donc, la Bible, Jésus dit comme ça que heureux monde, si voler avec lui à payer, ça ne va pas taper sur la caille. Dans Marc 6, verset 48, Jésus dit, il dit que Jésus qui est disciple, il a des difficultés pour le cabramer. Puisque il a des difficultés pour le cabramer, et puis il dit comment se couper. Parce que Jésus dit, il a prié, ok, entre deuxième avec troisième, parce que il devait tout la prier. Et puis, il a parlé de l'initiative vers quatrième veille, il dit, ouais, vent a menacé. Et puis il parle, il dit, vent, tais-toi. Quatrième veille, Jésus dit, vent, tais-toi. Ok? So, laisse ça, quatrième veille, il nous dit qu'il commence de 3h à 6h. So, puisque diable a été occasionné pour ça, Jésus lui-même est venu pour la victoire. Ok. Maintenant, on nous parle tout petit de 1h. Nous devons parler de 6h qu'on est là qui midi. Et la Bible dit nous consacre dans Matthieu 27, verset 45. Depuis la 9e heure jusqu'à la 9e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. On parlait de la 6e heure jusqu'à la 9e heure correspond de 12h à 15h, pas vrai? Il s'agit de la 3e veille, l'heure à laquelle Jésus t'est sous quoi cloué, pas vrai? C'est l'heure ça t'est supporté jugement nous, jugement péché nous. C'est l'heure ça tout, Satan sur lui dit nous 2e et 3e veille, c'est l'heure ça lui placer le vieux bagage au bout nous, le sortir pour ta bonne montée. Lui-même, il est content, l'heure ça, parce que lui, ouais, Jésus cloué sous quoi, il dit, ah bon, triomphe, il est content. Mais, tenez ça, Marc 15, 34, et verset 34, dit nous, à la 9e heure, c'est-à-dire 3h PM, c'est-à-dire 4e veille, Jésus s'écria d'une voix forte en disant Eli, Eli, lama sabachthani. Et le voile du temple se déchira. Les voiles du temple ont déchiré, ça qui passait à la croix, et bien c'est que
Nous songeons que c'était le seul sacrificateur qui a le droit pour les capables d'entrer dans le très saint, pas vrai? So, depuis voir la fin des chirurgiens là, eh bien, ça va ni vous-même ni moi-même accès à l'intimité du Christ, accès au trône de Dieu, accès au Dieu tout puissant. Qui secret, qui l'autre secret qui gagne dans le quatrième verre là? 15h à 18h, de même que 3h, 3h du matin à 6h du matin. C'est même l'heure, même période d'année. Ok? C'est 3h du matin à 6h du matin, ou bien 15h à 18h. Eh bien, c'est que c'est l'heure que vous avez déprogrammé, vous avez supprimé, vous avez brisé, vous avez annulé le complot qui forme contre nous-mêmes au nom de Jésus. Ok? So, c'est pas le moment pour faire prière secrète. Nous avons fait prière secrète. Si vous avez chassé un monde, vous allez dire. Vous comprenez? Il va prendre, il va comprendre. C'est pour couvrir bonjour, pour parler fort, parce que bon, la Bible dit nous comme ça que Jésus parlait, il fait savoir faire enfanter les biches, il fait, comment on peut dire, il fait enfanter des biches, il fait briller et puis dans le désert de Kadès. So, il utilise gros voix. C'est le moment pour nous parler malhonnêtement avec Diabla pour nous capables de mettre des fleurs. So, ma pour résumer pour nous. Premier venant, alors quatrième venant, nous disons ça dans la nuit. Nous voyons que c'est le que Jésus t'est marché sous le dos de la vie disciple. Quatrième venant, dans la journée, 15h à 18h, c'est le sage Jésus qui dit tout est accompli, voilà que nous déchiré et puis bonne qualification pour que nous allions côté papa nous, pour qu'on approche avec notre Dieu. Quatrième venant de la nuit, 3h à 6h, nous voyons que c'est période que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que la Bible dit nous dans Matthieu 28, premier, après le sabbat, à l'aube, qui dit aube, c'est synonyme de aube, pas vrai? À l'aube, et nous voyons entre pas la nuit, pas la journée. Jésus-Christ est ressuscité, pas vrai? Quatrième venant, quatrièmement, qui ne vient pas là, c'est le temps de la prière, le temps de l'offrande du soir. Parce que c'était dans le ça a été qu'on offrit offrande en Bible. Parce que Dieu constate qu'on offrit la prière et l'encens le matin et entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est-à-dire à l'aube. Soit m'a parlé là, entre 3h et 6h là. Ok? Sauf qu'on y a là, d'après plein verset pour ça là, comme dans le précédent du papier de Dieu. Neuvième heure, là, alors cinquièmement, 9e heure, c'est-à-dire 3h de l'après-midi, c'est l'heure de l'exaucement. Songez que Cornel qui était un païen, comme dit nous puissons en n'importe quel monde qui a utilisé, Cornel qui était un païen, dit Pierre, on tape la prière à la 9e heure, et puis on garde, on personne habillé de façon que attend, il vient devant. Et puis il dit, ta prière a été exaucée. Ça, c'est l'heure de l'exaucement. De même pour Daniel, dans Daniel 9, il dit que Gabriel vient dire, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Jacob dit, l'ange le bénit, qui l'aime à l'aube, à l'aurore. Sixièmement, et, ok, dans 1 Roi 18, verset 19, Élie, nous songeons que tu es devant mon quand même, avec, qui t'a lutté avec Mounsao et Boulbali. Et puis il dit, je dis à nous, qui est mon bon Dieu? So, il fait hôtel par nous et m'a dressé hôtel par. C'est ainsi que l'aide dressé hôtel. So, il y a un monde qui, l'autre, il commence à prier de 6h, 6h, nous connaissons 6h, c'est-à-dire que première heure pour nous-mêmes, jusqu'à 9h heure, à 9h. 9h pour midi, midi pour 3h. Il dit, nous mettons prier. Chaque lait, on va arriver, il dit, nous mettons prier. Et réveillez-vous, nous avons dit, il a dormi. Il va prendre le soude, ou bien il est en vacances. Eh bien, les 3h. 3h arrivées, l'heure de la prière, et il campe, il dit, comment ça passe, il offre avec 6 matrimoines. Ok, nous lisons dans 1 Roi 18, verset 29, il dit, vous savez, et il s'approcha de l'autel et pria. Mais ça, il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Et que l'on sache que tu es le vrai Dieu. Et nous pouvons passer dans le verset 39, l'Éternel répondit par le feu. Les bons dieux répondent par du feu. Tout le monde est tellement saisi, il est tombé sur le bas. C'est l'Éternel qui est Dieu, dit ensemble avec moi. C'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, ma tire attention sur le quatrième baisa, c'est parce que il y a une pile d'importance. Ok? So, bon Dieu, il a posé une question, il dit comme ça que
Depuis que tu existes, Job 38, ok, verset 33. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce qu'on commande matin? As-tu pris le contrôle sur le firmament? As-tu montré sa place à l'aurore, entre 3h et 6h, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée de vêtements, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève contre toi soit brisé? Bien-aimé, c'est pour nous secouer très tôt le matin l'ennemi pour qu'il a brisé toute âme que le forger contre nous. Amen. C'est pour nous parler à l'aurore pour qu'il a commandé journée nous. Si nous besoin d'arrêt, c'est pour nous faire sacrifice de lever vos yeux pour qu'il a commandé pour nous de sorte que ça nous besoin ouais, pour réaliser, pour les soleils ne pas lever pour qu'il a réalisé. Parce que mon qui méchant au Satan, c'est ça que même fait. Ok? So, Psaume 119, verset 147 dit nous comme ça. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Nous tenons ça, David dit, je devance le roi et j'espère en tes promesses. Méchant, bonne dernière histoire, ça est plus fini. Méchant, il levait depuis 3h du matin. Il chita sur mon chaise. Il réfléchit. Il imaginait tout ça qu'il besoin d'imaginer pour être pour vivre. Mesure tant nombre d'accidents aujourd'hui. Mesure tant nombre de mal aujourd'hui. Mesure tant nombre de monde pour mourir. Mesure tant quantité de traits qui déraillent. L'elfine médite ça la médite. Nous comptons ça le dit. Laisse le soleil a commencé à lever, il dit soleil, si un yé pas qu'à empêcher lever matin, et puis un yé pas qu'à empêcher parole qui sortit dans la bouche pour y en réaliser. Et puis il finit de déplacer, il est très confiant, parce qu'on est plus sale dire et puis pour réaliser. Si nous-mêmes chrétiens, nous ne prenons pas le temps, nous avons exigé, nous avons déclaré, nous avons réclamé protection pour nous-mêmes, pour petit, pour l'église, nous, et bien. L'ennemi s'est dit qu'il y a des pouvoirs sur nous. Ok? So, sachez qu'il y a un temps où Dieu intervient et ça ne rate jamais. Oui, entre 3h et 6h, il y a une puissance cachée qui manifestait. Et c'est ça que David dit dans Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Dieu la secours. Qui le? Quand? Adonne, ok? Avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. Frère, seul, bon Dieu, toujours répondre lorsque vous appuyez dans le salut. On nous saisit puissance ça pour nous briser programmation de addiction, de manipulation insidieuse. Que réseaux sociaux programmés pour nous. Que Dieu vous soit bénis. Amen. Et juste pour que nous capables de terminer, oubliez que Baron Timothy dit nous ça, il faut seulement 3.5% of the population pour que nous capables de faire un changement, quel que soit le changement. 3.5%. Si il y a un nom qui visite pour la première fois, je vous dis là, qui t'a aimé pour Jésus-Christ administrer la vie, qui t'a aimé pour prendre contrôle sur la vie, nous, m'a invité nous pour qu'on avance par lui. Et si nous-mêmes chrétiens, m'a pas dit, nous avons attention sur ça, si 3.5% de chrétiens a la prière dans la même l'heure, chaque jour, nous avons longtemps que nous avons demandé don du Saint-Esprit, l'appui de la vie en saison, si tout le monde fait, on met des coins ensemble. Si mon café Black Lives Matter, le café Black Movement, le café Blue Lives Matter, le café tout le monde fait changement, nous-mêmes, si nous tous nous mettons des coins ensemble, nous faisons ça. Alors, si les gens qui t'ont aimé prendre engagement, peut-être que l'engagement est trop difficile pour nous aujourd'hui là, mais si au moins considérer tout ça que nous disons que bon Dieu voyait pour nous comme message, non pas dire nous-mêmes, de par bon Dieu. Si nous voulons, commencer à mettre temps à part pour que nous puissions engager dans lutte, ça, prier à l'euro, 7h à l'homme, 3h, to 6h, in between, in the morning, in the afternoon, so that nous puissions briser la puissance de l'union, avancer de l'union, et nous n'avons pas ce pagadoui qui va la prier pour nous, qui va faire du programme. Et si nous parlons, nous sommes pasteur à qui? Une fête tranquille. Oh, ok, il est là, pas très bien. Ok, all right. So, si il y a quelqu'un qui t'a arrivé ça,
I will sit down with them. L'heure est à la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. There is no one like you, God. This is why today we come before you. Seigneur, nous venons d'entendre un message qui nous interpelle tous à prendre cette décision. La décision de connecter avec le ciel. Seigneur, nous venons d'entendre l'effet destructif des réseaux sociaux. Nous venons d'entendre comment l'ennemi à utiliser ces réseaux pour nous détruire, pour détruire nos enfants, nos jeunes. Et cet après-midi, tu as utilisé puissamment ta servante pour faire appel à ton Église pour que nous retournions aux anciens sentiers, retournions à la prière et à la consécration. Seigneur, le moment est arrivé. Jésus doit revenir pour nous chercher sur cette terre. Le monde est troublé, le monde est tourmenté. Le monde est malade. Mais nous te rendons gloire cet après-midi parce que on fait plein pour racheter nous de ce monde de ténèbres et de misère, de souffrance, de calamité, d'humiliation. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, après avoir entendu ta parole, il y a des frères et sœurs qui décidaient pour avancer jusque par devant. Pour dire, Seigneur, nous t'aimons, remettre la vie dans la mer. Seigneur, nous dirons merci parce que nous donnons des messages là et nous décidons pour que nous continuions à faire route là avec vous. Mais il y a d'autres frères et sœurs aussi qui sont dans l'assemblée et qui prend décision pour que vous capable de continuer route là avec vous. Seigneur, nous pas de comprendre ça, que l'ennemi réel et tout ça est capable de faire, toute subtilité que est capable d'utiliser pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire l'Église, la faire vivre et nous relire, Seigneur, ce matin, ce midi.
yon instrument que vous mettez dans mes nous, des instruments que des hommes mettez dans mes nous, qui étaient quand même utiles nous pour la prédication de l'évangile, mais yon utilisé de manière négative pour détruire nous. Seigneur, nous voulons te prier en ce midi pour ton église. Nous voulons te prier pour le pasteur de l'église. Nous voulons te prier pour les anciens de cette église, les diacres de cette église, les diaconesses de cette église. Nous voulons te prier, Seigneur, pour ton peuple. Nous voulons te prier pour tes messagers, docteur Astrid, que tu as utilisé puissamment pour la gloire de ton Seigneur. Nous voulons te prier en ce matin, Jésus, pour ton église. Seigneur, l'église souffre. L'église souffre puisque nous dans septième période là, l'heure arrivée, l'heure a sonné. Jésus doit retourner. Mais c'est le ça, nous tout a dormi. Nous tout a dormi. N'oubliez pour nous utiliser l'âme que nous baillons qui c'est la prière. Seigneur, tandis que vous faites appel à nous autres dans ce midi, demandez-vous que ce message que nous venons d'entendre, nous pouvons appliquer dans la vie, nous. Que ce message est capable de faire route dans la vie, nous. Que Jésus nous capable de retourner à la prière. C'est seule la prière, oui, qui a ouvert la porte. C'est dans la prière, oui, maladie guérie. C'est dans la prière, oui, si nous nous délivrer. C'est dans la prière, oui, Marie nous délivrer. C'est dans la prière, oui, madame nous délivrer. Délivre ce matin. Délivre-se la terre, délivre-se la terre, sauve, Seigneur, sauve ton peuple pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.